tout le Gotha de la planète pour les cérémonies du débarquement. Bonjour Jean-François Valette. Bonjour. Merci d'être avec nous dans le studio. Et voilà, c'est parti. Je baisse un peu la radio. C'est parti. Nous allons donc partir à la mer, à Metz, du côté de Sète. Et le jour du débarquement, on va débarquer à Metz, tu vois. Et là, on est en train de faire quelques petites emplettes de course. Donc là, il est exactement. Voilà, midi 9. Alors, est-ce que tu es contente d'aller à Metz ? Je suis contente d'aller à Metz. Ah, ben c'est super. Alors, au départ de Metz, on va quitter Super U. Attention, on recule, c'est parti. Super U ici, Balberon, c'est là que je fais mes courses. Là, je vais faire attention de ne pas écraser quelqu'un. Non, ça va, tout va bien. Donc c'est vraiment un bon truc. Voilà. Et on sort d'ici et on va à Metz. C'est bon, c'est parti. À nous la mer pour un petit reportage. Oh, je vais faire quelques coupures, on va voir. Et voilà. On y va! Très vert. Attention, passage à niveau. Et voilà, on est donc à Vaziège là et on n'est pas arrivé encore. Midi 23, on n'est pas arrivé. Voilà. Bon, mais écoute, on prend le temps hein, parce que c'est pas loin, mais bon. Nous, on passe toujours par la route. On passe toujours, je regarde, par la route à. National, jusqu'à à peu près. Ok, il est beau ce bichon. Jusqu'à à peu près Narbonne. Et arrivé à Narbonne, moi je prends l'autoroute. Donc on se retrouvera peut-être à Narbonne là, après le prochain plan vidéo. Pour le plaisir des yeux et de notre région. Là, il faut savoir qu'on n'est pas loin de chez nous. Vaziège, ça fait à peu près 8 km à peu près, en gros de chez nous. C'est une super région sans déconner. Ah ouais. Bien sûr, les Américains sont là. Et nous voici au pays du cassoulet. C'est Castelnaudary. Castelnaudary, le pays du cassoulet. C'est le pays du cassoulet. Castelnaudary, le pays du cassoulet. Ah, il doit se rendre 1 km avant Carcassonne. C'est super. C'est le pays du cassoulet.
là où nous sommes en vacances jusqu'au lundi, ce mois de juin. Donc, je vais vous faire profiter de la vue un petit peu de tout ce qui est, pas tout ce qui est par ici, mais bon, c'est déjà pas mal si vous avez quelques images. Je me suis levé, je me suis pas rasé. Bientôt, je me rase. Et bonne vidéo. Ah, 6 juin, le jour du débarquement. Débarquement. Si les hommes arrêtaient de faire la guerre un petit peu, il y aurait plus de paix, moins de cons qui interprètent les autres. Bon, ceux qui interprètent généralement sont, je sais pas moi, sous-grade supérieur à nous, je suppose, puisqu'ils ont les doctorats, tout ça. Donc on viendra plus tard. Sont les doctorats c'est bien beau, mais les erreurs médicales ça existe. Allez, on va reculer. Et on va aller faire quelques courses. Attention le poteau. Attention. Sonne. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme sapinette ici, c'est incroyable. C'est vraiment la mer, c'est joli. Par contre, il fait pas très beau. Il fait pas très très beau. Pas très très beau. Regardez-moi ce temps. Pour le moment. On verra plus tard. Qu'est-ce qu'il y a comme trafic ici? Remarque, c'est pas pire qu'à Toulouse. Ouais, des camions, par contre, il y en a beaucoup. Hein. Voici. Ah, ils vendent beaucoup de cerises par ici. Des cerises. Il y a une discothèque là, à droite. Des cerises, de tout. Parce que c'est vrai que. Étant donné que je fais des petites parties vidéo, je sais même pas si YouTube peut accepter des longues vidéos, étant donné que je ne sais pas si je suis abonné. Faudrait essayer, mais j'en sais rien. Bon, en tout cas, bienvenue dans l'Hérault, 7, Metz, le bassin de Thau. Je peux passer. Et ce serait cool et sympa. Nous sommes le vendredi 6 juin 2014. Et il y a du trafic. Faut que je prenne ma place dans le trafic. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est sympa. Hein, on va aller voir de l'autre côté. Il doit bien y avoir une plage quelque part aussi. Nous sommes à Bouzic. On va se garer par là. Comme ça, on peut mieux y voir. On va se balader un peu. Voilà. Attention, évaluation de distance. Ouais, c'est ma caisse. Bon, alors voilà, je suis en vacances ici pour faire youtubeur. C'est super joli. Un panoramique au-dessus de la tête des gens parce qu'ils aimeraient peut-être pas se filmer, je sais pas. Et en face, 7. Thank you.
et m'asseoir sur un rocher à cet effet. Et on va quitter Bouzig, on va passer à la deuxième partie du film, Metz et ses courses. Bon, les courses, je vais peut-être pas vous les donner non plus. Faut pas pousser, hein. Et vous avez vu le bateau tout à l'heure? Incroyable. Bon, ben, deuxième partie, coupée.